Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, c'est Youssouf, donc je suis donc étudiant à l'université Cheikh Anta Diop en 6e année de médecine. Et je vais donc vous faire un cours aujourd'hui donc portant sur l'ischémie des membres. Alors, donc, l'ischémie aiguë des membres est définie par l'interruption brutale du flux artériel au niveau des membres, et qui est responsable d'une hypoxie tissulaire abrupte pouvant aboutir à une nécrose. Alors pourquoi donc étudier l'ischémie aiguë des membres? En fait, il s'agit d'une véritable urgence à la fois médicale mais également chirurgicale. Son diagnostic doit être connu car clinique, hein, donc dans la plupart du temps, on n'a nullement besoin d'un examen paraclinique et c'est une entité qui engage le pronostic vital, donc pronostic d'abord fonctionnel lié aux amputations et puis le pronostic vital lié au syndrome de revascularisation qu'on verra par la suite. Et puis un intérêt thérapeutique, en effet, il y a eu donc une révolution dans la prise en charge des ischémies aiguës des membres, donc à partir de la technique donc la dite Fogartisation, donc en utilisant une sonde qu'on verra par la suite, la sonde de Fogarty. Alors, quelques éléments de rappel d'abord anatomiques. Donc, vous avez ici la vascularisation du membre supérieur. Donc, on commence par l'artère axillaire qui naît en fait de l'artère sous-clavière, une continuité, et qui va se terminer donc théoriquement à hauteur donc du bord inférieur du muscle grand rond et par la suite donc on aura l'artère brachiale donc qui va cheminer donc à la face interne du bras donc à la face interne de l'humérus et qui va donner par la suite donc se bifurquer à hauteur du coude et donner l'artère radiale l'artère ulnaire et ces deux vont par la suite donner un réseau anastomotique, donc au niveau à hauteur du poignet, formant ainsi l'arcade palmaire. Et c'est donc ce réseau qui va assurer la vascularisation artérielle du membre supérieur. Et puis, par la suite, donc on a ici la vascularisation du membre inférieur, donc qui naît ici, donc à hauteur, donc tout commence au niveau de l'aorte, puis l'ilia commune qui va se diviser en artère iliaque interne qui est destinée à la vascularisation des organes du pelvis et puis à l'artère iliaque externe qui est donc destinée à la vascularisation du membre inférieur. Donc à hauteur ou sous le ligament inguinal, vous avez la naissance en fait de l'artère fémorale proprement dite et qui va donc donner comme branche la fémorale profonde. Donc initialement, dans l'ancienne nomenclature, vous avez l'ilia commune et puis l'iliaque interne, la fémorale commune, donc puis fémorale profonde superficielle. Donc actuellement, vous n'avez pas cette nomenclature, vous avez juste une seule artère fémorale qui est celle-ci, et puis par la suite, vous avez l'autre qui est considérée donc comme une branche collatérale. Vous avez la fémorale profonde qui va donc assurer la vascularisation de la cuisse et puis la fémorale proprement dite qui va poursuivre son chemin, donc traverser le trigone fémoral, puis le canal des adducteurs et se terminer à hauteur du hiatus du grand adducteur. Et à ce niveau-là, donc il donnera naissance à l'artère popliteée. Donc vous avez ici une vue postérieure où on voit donc l'artère popliteée qui donc naît à ce niveau-là, donc au niveau du hiatus du grand adducteur, et qui va donc se terminer au niveau de l'arcade du muscle solaire. Et donc, il va se terminer en se divisant de deux artères, donc l'une étant l'artère tibiale postérieure, et l'autre, en fait, est un tronc, donc tibio-péronier, qui va donc donner la tibiale antérieure et l'artère péronnière. Et maintenant, la tibiale antérieure, vous avez ici une vue antérieure, donc vous avez ici l'artère tibiale antérieure qui va poursuivre son trajet et qui va donner l'artère dorsale du pied où on peut donc palper le pouls pédieux, donc l'artère pédieuse.
Alors, maintenant, on a fini avec les rappels anatomiques. Donc, on va entamer maintenant les éléments physiopathologiques qui vont donc nous permettre de comprendre le tableau clinique. Alors, l'occlusion des artères des membres, comme on l'a dit au niveau de la définition, donc étant l'élément qui est ici mis en jeu. Et cela va être à l'origine, en fait, d'une ischémie qui est plus ou moins sévère des extrémités. Et justement, cette sévérité va dépendre de trois paramètres. Donc, d'abord, la pression artérielle systémique, c'est logique, puisque c'est la pression qui permet donc une bonne perfusion. Vous avez la circulation pardon, collatérale qui permet en quelque sorte une suppléance. Et donc, si on a une très bonne circulation collatérale, donc cela permet de diminuer un peu l'ischémie. Et puis vous avez la qualité du réseau artériel d'aval qui va donc dépendre du terrain. Donc chez des patients athéromateux, donc vous allez avoir donc la qualité du réseau artériel d'aval qui n'est pas très bien, donc qui n'est pas adéquate et donc ça va donc être à l'origine de donc d'aggravation. Alors puis vous avez la tolérance à l'ischémie, donc des différents tissus qui est variable. Donc les cellules qui sont les premières donc à souffrir étant les cellules nerveuses, où vous avez en fait des lésions qui apparaissent dès la deuxième heure. Et puis vous avez des lésions musculaires à partir de la sixième heure et la vitalité de la peau qui est en fait donc qui est viable donc jusqu'à 24 à 48 heures. Donc ces éléments sont très importants parce que vont avoir des implications au niveau de la prise en charge thérapeutique. Alors, donc voici un schéma global qui résume un peu la physiopathologie. Pardon. Donc, vous avez ici l'occlusion artérielle. On l'a dit, c'est le primo movens. Donc, occlusion artérielle, souffrance cellulaire, donc c'est l'anoxie. Alors, cette souffrance cellulaire sera donc à l'origine d'un métabolisme anaérobie parce que s'il n'y a plus d'oxygène, on est en souffrance cellulaire. Donc, on passe en métabolisme anaérobie. Et puis, vous avez aussi l'ischémie, la nécrose et par la suite la surinfection du membre et un œdème et un syndrome de Loge. Alors, on revient sur le métabolisme anaérobie. Donc, c'est initialement, donc c'est un métabolisme qui est plutôt bénéfique parce que ça va permettre donc de prendre le relais donc niveau métabolique et d'assurer donc l'énergie donc au niveau local. Mais par la suite sera donc délétère parce que sera à l'origine par la suite de la production de lactate, donc source d'acidose. Puis vous avez ici l'œdème, un syndrome de Loge, en fait, sont les cellules qui vont donc se démasser à l'intérieur des loges musculaires. Mais puisque ces loges sont donc inextensibles, j'ai oublié de vous montrer donc au niveau des rappels anatomiques. Donc vous avez ici les loges où vont cheminer les muscles, mais également les artères et les veines et les nerfs. Donc s'il y a un œdème à l'intérieur, donc ces éléments sont inextensibles, donc il y aura une souffrance à l'intérieur des loges, donc des éléments qui sont contenus dans la loge. Donc vous avez ici un œdème, un syndrome de Loge justement, et qui va donc aggraver encore plus l'ischémie et la nécrose. Et puis, ces éléments, vous avez ici la réperfusion, donc ça c'est plus tard au cours de la prise en charge. Donc si vous réperfusez, il y aura en fait la production des éléments toxiques qui vont être relargués dans leur circulation générale. Donc il s'agit de radicaux libres, d'acides donc lactiques qui dérivent du métabolisme anaérobie, mais également en fait des éléments liés à la destruction musculaire, donc des ions K+. Et des radicaux libres, des ions H+, ces éléments vont être relargués dans la circulation générale et vont donc être à l'origine. Donc d'abord, donc ces éléments ont été initiés, mais vont être aggravés au cours de la revascularisation. Donc une hyperkaliémie, donc avec des troubles de rythme, un arrêt cardiaque. Vous avez ici la myoglobuline qui doit être donc libérée dans la circulation générale, qui est liée à la dégradation des muscles et donc à l'origine d'une insuffisance rénale. Donc par donc nécrose tubulaire. Puis vous avez ici l'acidose et les radicaux libres qui vont être à l'origine d'une destruction tissulaire et une détresse respiratoire liée donc à l'acidose. Et donc maintenant qu'on a vu ces éléments-là, donc on va essayer donc de les utiliser pour pouvoir aborder le chapitre donc le diagnostic.
En commençant donc par le diagnostic positif, comment on fait pour poser le diagnostic d'une ischémie aiguë? Eh bien, ça commence par un examen clinique. Un examen clinique qui va donc s'intéresser donc aux signes d'abord fonctionnels. Donc, on va avoir à l'interrogatoire. Donc, il s'agit d'un malade qui va présenter une douleur donc du membre ischémié, d'apparition brutale, intense, à type de crampes, parfois à type de broyement, et qui va donc irradier le long du trajet des artères avec, et des loges musculaires. C'est une douleur qui est permanente et qui est souvent rebelle aux antalgiques habituels. Cette douleur s'accompagne donc d'une impotence fonctionnelle qui est souvent absolue, donc c'est un malade qui aura du mal à utiliser son membre, à le mobiliser, et une sensation de froid et d'engourdissement du membre. Et parfois, en fait, vous avez l'apparition en quelques heures dans les formes subaiguës. Donc, vous pouvez avoir une apparition brutale dans les ischémies aiguës, on verra, en relation avec les étiologies assez particulières d'embolie. Mais vous pouvez avoir aussi l'installation, donc, en quelques heures, donc, dans des formes un peu subaiguës. Alors, à l'examen physique, on va avoir, donc, à l'inspection, une pâleur cireuse du membre avec de la cyanose et de la marbrure. Donc à la palpation, donc c'est une froideur, une lividité. Vous avez des veines qui sont vides et colabées, et une douleur à la palpation des masses musculaires. Donc quand vous touchez le membre, donc vous déclenchez une douleur. Mais l'élément le plus important étant l'abolition d'un ou des plusieurs donc des pouls, soit le pouls pédieux ou bien le pouls tibial postérieur, en fonction de la hauteur. Ça peut être également aussi le pouls poplité, etc. Donc, qui sont donc des pouls qui sont à rechercher, sont chez un malade qu'on soupçonne donc une ischémie aiguë du membre. Vous avez les troubles neurologiques, donc à la fois sensitifs mais moteurs, donc à type de paresthésie, voire même une anesthésie, et à la longue dans des formes évoluées, une paralysie. Mais toutefois, l'examen doit être clinique, pardon, l'examen doit être complet. Et s'intéresser donc à l'examen cardiaque, à l'examen pulmonaire, mais également à l'ensemble des autres appareils, notamment neurologiques, etc. Alors, donc vous avez ici donc la fameuse tétrade de Griffith qui résume un peu les signes principaux de l'ischémie aiguë. Vous avez la douleur, l'abolition des pouls, vous avez donc la pâleur et la paralysie. Mais on n'est pas obligé tout de même d'avoir l'ensemble de ces signes, hein. Donc vous pouvez avoir juste donc deux, voire même trois, et dans les formes complètes, vous pouvez avoir donc les signes au complet. Donc vous avez ici l'image, hein. Donc vous avez ici donc l'ischémie qui évolue donc vers donc une jambe qui est pâle, qui est froide, donc immobile et douloureuse, qui évolue donc vers la gangrène. Alors, donc, ces examens cliniques donc, nous poussent donc à poser le diagnostic, ou en tout cas à l'évoquer très rapidement, mais il arrive parfois qu'on soit donc devant des tableaux qui ne sont pas très nets, donc assez frustes, notamment dans les formes subaiguës, où là, donc, on est amené à faire donc, des examens paracliniques. Et ces examens, donc d'abord l'échographie, qui va donc permettre d'objectiver l'obstruction artérielle, et qui décèle donc des flux artériels, des axes en aval de l'obstruction. Et cette échographie sera donc utilisée dans la classification de Rutherford qu'on verra par la suite. On peut également amener à faire l'artériographie, qui est d'ailleurs l'examen qui est le plus approprié dans ces cas de figure, qui donne des résultats quant à le siège donc de l'obstruction, mais également à l'état des axes artériels d'aval et la présence ou non de collatéral. Et puis les autres examens qu'on peut faire, c'est notamment l'angioscanner et l'angio-IRM. Alors un mot sur l'artériographie, j'ai oublié donc la technique. Donc c'est un examen qui consiste en fait à injecter un produit de contraste au sein donc d'une artère et puis à opacifier et à visualiser par la suite. Donc c'est un examen radiologique, mais qui utilise en fait voilà, l'injection d'un produit de contraste directement. Alors, donc vous avez ici donc quelques images, hein. Donc, vous avez ici l'artériographie, vous avez ici
une amputation. Donc vous avez ici un produit, donc une artère qui est bien opacifiée. Et puis là aussi, vous voyez, et puis une amputation à ce niveau. Donc c'est une thrombose donc de l'artère occlutée. Donc vous avez ici, donc pareil, hein, donc une amputation, une occlusion d'origine. En A, vous avez une occlusion d'origine donc embolique. Vous avez un arrêt net, donc en absence de collatéral, parce qu'en fait le phénomène est survenu d'une manière très brutale. Alors qu'ici, vous avez ici donc une occlusion d'origine thrombotique et vous avez eu le temps en fait. En fait, il y a d'abord un terrain qui est là, d'ischémie, donc qui s'installe et puis il y a eu les collatéralités qui se sont développées. Donc, ce sont les éléments qui permettent souvent de s'orienter quant à l'étiologie et on le verra par la suite. Et donc, vous avez ici, donc l'élément ici qu'on a à l'artériographie, c'est l'amputation donc de l'artère. Donc, vous avez ici la continuité et puis, paf, obstruction. Là aussi, pareil, l'artère devait se continuer et puis vous voyez qu'il a été amputé. Et là aussi, pareil, mais il y a les collatérales qui sont ici. Alors donc après le diagnostic positif, il faut donc rechercher donc la présence des entités qui vont faire la gravité du tableau. Et la gravité s'évalue donc selon l'état local général et sur le bilan de retentissement général. Donc vous avez les signes de gravité qui sont donc à rechercher. C'est d'abord des éléments cliniques, la présence de signes neurologiques locales telles qu'une hypoesthésie, paresthésie, une anesthésie totale, déficit moteur, donc une paralysie, et puis la nécrose cutanée. On recherche aussi la présence de collapsus ou d'un état de choc, donc des chutes tensionnelles avec les extrémités froides, cyanose, un pouls qui est accéléré, filant, imprenable parfois, etc. Et puis des troubles du rythme ventriculaire et on recherche un terrain sous-jacent de débilité. Donc chez un malade âgé avec plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, etc. À la biologie, vous avez ici l'acidose et puis une hyperkaliémie, une hypermyoglobulinémie, une nuisance rénale. En fait, ce sont des éléments qui vont être libérés dans la circulation générale et qui sont liés à la destruction musculaire et au métabolisme anaérobie, comme on l'a vu au niveau de la physiopathologie. Et puis, vous avez donc les embolies sur artère saine. Donc, c'est un élément plutôt donc de mauvais pronostic. Donc, sont plus graves car, à la différence du sujet rhumatoïde, vous avez un patient qui n'a pas en fait eu le temps, comme on l'a dit, de développer une circulation collatérale. Et donc c'est une ischémie brutale et donc ça peut très rapidement évoluer vers la nécrose. Et ces éléments vont donc nous permettre de classer donc l'ischémie aiguë suivant la classification de Rutherford qui utilise à la fois des éléments cliniques mais également des éléments qu'on a eu à l'échographie. Donc vous avez ici le stade 1, vous avez donc le stade 1, pardon, où vous avez en fait ici à la clinique, on suit le temps de recoloration, le déficit moteur et la perte de la sensibilité. Donc ici, tout est normal en principe, il n'y a pas de menace immédiate. Vous voyez que plus on avance, plus vous allez vous retrouver donc dans des situations où il est difficile de sauver le membre. Donc vous avez ici par exemple au niveau du stade 2B, vous avez en fait à l'échographie l'absence du flux artériel et vous voyez que niveau pronostic, donc c'est difficile de faire un sauvetage donc du membre. On reviendra de toute façon sur le pronostic à la fin. Donc ça c'est ce qui permet en fait de classer finalement la gravité et de se dire que finalement notre ischémie est très grave, pas très grave et donc ça va influencer aussi sur donc la prise en charge. Alors donc devant des signes de gravité, on est amené donc à faire une CAT d'urgence. Et la CAT d'urgence passe par l'hospitalisation du malade, donc en service adapté, soit un service d'unité donc de soins intensifs, cardiologiques ou chirurgie vasculaire. Et puis
On pose donc une voie veineuse de bon calibre, une sonde urinaire, on démarre une héparinothérapie, et puis un traitement antalgique adapté, hein, et puis le nursing qui en fait consiste à protéger le membre. Donc on essaye de placer le pied donc dans de la mousse, hein, avec mettre le malade donc en position légèrement déclive, et puis éviter tout frottement au niveau du pied ischémique, interdire donc tout application de sparadrap sur la peau ischémienne. Et donc, on fait une bonne hydratation, une correction des troubles hydroélectrolytiques si nécessaire et avertir le chirurgien. Et on se demande à ce moment-là, est-ce qu'on doit faire une revascularisation donc en urgence et comment et par quelle technique? Et ça, on le verra par la suite au niveau du chapitre de prise en charge. Alors, mais avant justement de traiter le malade, il faut donc veiller à éliminer ce qui n'est pas ischémie aiguë. Alors, vous avez ici donc ce qu'on appelle l'ischémie critique. Alors, c'est une douleur de repos avec des troubles trophiques du membre qui évoluent pardon, depuis au moins 2 semaines consécutives avec des pressions systoliques au niveau de la cheville inférieure à 50 mm de mercure et à l'orteil inférieure à 30 mm de mercure ou alors une PO2 transcutanée fera 30 mm de mercure. Donc ça, ce sont des paramètres qu'on va donc essayer de mesurer. Mais ici, tout de même, l'élément qui permet donc de faire la différence cliniquement, c'est donc l'évolution prolongée de l'ischémie et donc la précarité qu'on aura lors des paramètres qu'on aura à mesurer avec un tensiomètre et avec l'appareil donc l'IPS. Donc les autres diagnostics différentiels, donc DEVA, tout syndrome douloureux d'un membre, donc à début brutal, il faut toujours éliminer une thrombophlébite du membre inférieur, hein, donc avec le fameux signe de Homans, une dissociation de température et une augmentation de la chaleur locale. Et puis vous avez la névralgie qui va donner à peu près donc des manifestations douloureuses, etc. La crise de Goutte à localisation atypique qui veut se localiser au niveau des autres articulations. Bon, on sait que la goutte habituellement c'est au niveau du gros orteil, mais ça peut se localiser dans d'autres articulations, donnant donc des douleurs assez. Donc, pouvant mimer l'ischémie aiguë. Et puis les douleurs rhumatismales du genou, des autres articulations, de la cheville, etc. Et devant les lésions ischémiques avancées, donc il faudra toujours éliminer une fascite nécrosante qui est une entité donc qui est très grave, qui est donc l'évolution des dermo-hypodermites bactériennes. Alors, le diagnostic étiologique, comment donc on arrive à poser le diagnostic étiologique? D'abord par l'enquête étiologique, hein. Donc vous avez à l'interrogatoire, on recherche l'âge du patient, les facteurs de risque cardiovasculaire et les antécédents cardiovasculaires tels que les cardiomyopathies, l'AOMI et les maladies auto-immunes, auto-inflammatoires pouvant être à l'origine ou source de thrombose. Donc vous avez ici les cardiomyopathies qui sont embolisées, etc. Donc, ce sont donc des terrains et des antécédents qu'il faudra rechercher. À l'examen clinique cardiovasculaire et pulmonaire, vous avez ici les signes d'embolie dans un territoire artériel. Donc, si vous avez des antécédents donc d'AVC, vous recherchez des signes d'AVC, des signes d'ischémie mésentérique. Et puis, vous recherchez aussi des anévrismes aortiques, de l'artère occlusée, etc. Donc, on fait un examen global de tous les appareils là aussi. Comme examen complémentaire, on va faire une échographie cardiaque, soit transthoracique ou transœsophageale, à la recherche, pardon. Et donc, à la recherche en fait de thrombus intracardiaques ou alors des végétations, on fait l'échographie des artères carotides, à la recherche de plaques d'athérome, et puis on fait l'électrocardiogramme, l'artériographie. Un scanner aortique, un bilan d'hémostase, un bilan inflammatoire. Et au cours de l'enquête, vous avez deux grands tableaux cliniques qui s'opposent. Vous avez d'abord
les causes emboliques et les causes liées à des thromboses. Alors, les embolies, donc, c'est souvent des caillots qui naissent en fait des sites différents qui vont être amenés jusqu'à obstruer en fait les artères des membres. Vous avez ici les éléments de différenciation, donc c'est l'âge, donc plutôt sujet jeune hein, pour les embolies, alors que les thromboses, c'est des sujets âgés avec plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. L'apparition est très brutale, comme on l'a dit, à cause de l'absence de collatéral. La douleur là aussi va suivre, hein, c'est une douleur très aiguë, sévère, avec une température cutanée fortement diminuée. Et des anomalies cardiaques qui sont souvent présentes parce que dans la plupart du temps, c'est des embolies qui émanent en fait du cœur. Donc, c'est des cardiopathies emboligènes telles que les rétrécissements mitral avec les fibrillations atriales qui vont donc envoyer les embolies dans la circulation systémique et vous pouvant donc s'arrêter ou bien siéger au niveau des artères des membres. Les facteurs favorisants, donc on l'a dit, les fibrillations atriales, les IDM. Et puis vous avez ici donc l'artériographie qui va montrer un arrêt net en pupille avec l'absence de passage du produit de contraste et l'absence de collatéralité. Donc l'absence de circulation collatérale. Et ici, vous avez ici donc les anomalies cardiaques, donc souvent il n'y en a pas, hein, donc vous avez un bas débit. Notamment la triade de Virchow qui favorise en fait la formation des thromboses, hein, donc notamment le bas débit, l'hyperviscosité. Et ici, la lésion vasculaire s'applique un peu moins, c'est plus au niveau veineux. S'applique très très bien ici. Puis vous avez ici donc trois éléments de la triade de Virchow. Donc vous avez le ralentissement, l'hyperviscosité, donc les anomalies de l'hémostase, et puis. Vous avez aussi les lésions vasculaires qui vont donc favoriser les thromboses, les thrombus, pardon. Et puis vous avez ici l'athérosclérose diffuse avec ici un arrêt qui est assez, donc un arrêt qui est irrégulier, donc avec un passage un tout petit peu de produit de contraste et surtout la présence de circulation collatérale. Alors, quelles sont les causes? Donc, vous avez d'abord les causes emboliques, hein, donc d'origine cardiaque, vous avez les troubles du rythme, fibrillation atriale dans la plupart du temps, les valvulopathies, les prothèses, mais souvent les valvulopathies passent par la FA. Vous avez les myxomes de l'oreille gauche, qui est à peu près une entité identique au rétrécissement mitral. Les endocardites infectieuses, vous avez le foramen ovale, les embolies paradoxales. En fait, c'est la perméabilité donc du foramen ovale, le trou de Bothall qui est au niveau des oreillettes, qui va donc permettre le passage donc des embolies qui vont donc passer du cœur droit au cœur gauche et par la suite passer dans la circulation systémique. Les infarctus du myocarde, les dyskinésies, donc tout ça, ce sont des situations à risque d'embolie pouvant être envoyées dans la circulation systémique. Ça peut se localiser au niveau neurologique, au niveau digestif, mais également au niveau des artères des membres. Puis vous avez les embolies qui vont naître au niveau des artères, donc à partir d'une plaque d'athérome qui va se détacher, donc donnant des embolies un peu partout, et les embolies à partir d'un anévrisme de l'aorte, bien d'autres artères. Et puis vous avez ici donc les thromboses, donc des thrombus qui vont naître sur une artère pathologique, soit une aomie chronique athéromateuse. Donc la plaque va se sulcérer, se fissurer, et la formation d'un thrombus intraplaque. Vous avez les inflammations artérielles liées aux maladies inflammatoires, telles que la maladie de Burger ou bien la maladie de Behcet. Et puis vous avez les anévrismes de l'artère poplitée thrombosée, les thromboses de pontage, donc artérielles, qui vont. Sont des traitements en fait de revascularisation chirurgicale qui vont se thromboser. Vous avez ici les artéries post-radiques, donc au décours d'une radiothérapie et les spasmes artériels. Puis vous avez ici les thromboses sur artère saine, hein, donc sont les thrombopénies induites à l'héparine, les fameuses TIH. Puis vous avez sont des accidents en fait liés au traitement de l'héparine. Vous avez le syndrome des antiphospholipides
qui est une entité des maladies auto-inflammatoires, souvent associées au lupus, qui donne souvent des thromboses et des accidents, soit au cours de la grossesse, voire même chez les autres malades qui ne sont pas en situation gravidique. Et puis les thrombopathies, avec le déficit sans protéines CS, ou bien les antithrombines et les hyperplaquettoses. Donc, ce sont des risques, des situations qui sont à l'origine d'une augmentation de la coagulation. Les médicaments, on le sait, donc, sont les œstroprogestatifs, surtout les œstrogènes, et puis donc les produits sclérosants, et puis les autres maladies inflammatoires, c'est que le lupus et les autres maladies du système. Alors, une entité assez particulière, donc c'est le phlegmatia cérulé, qui est en fait le feu. En fait, c'est d'abord une thrombose veineuse qui va donc être à l'origine d'un œdème, qui va comprimer l'artère qui est dans la même loge. On a donc un tableau à la fois de thrombose veineuse et d'ischémie aiguë. Puis vous avez la dissection de l'aorte iliaque, les traumatismes artériels avec les traumatismes donc du membre lors des Kreutz syndrome et les infections à SARS-CoV-2 qui sont très pourvoyeurs de thrombose. Alors maintenant qu'on a vu donc la CAT donc thérapeutique, on va finir par le chapitre de thérapeutique d'évolution pronostique. Alors quels sont le but donc du traitement? C'est d'abord calmer la douleur, éviter l'extension locale du thrombus, lever l'obstacle artériel. Éviter, sinon prendre en charge les complications afin de prévenir les récidives. Alors les moyens, vous avez les anticoagulants, notamment l'héparine non fractionnée, et puis vous avez les autres anticoagulants, notamment les enoxaparines, les dalteparines, et puis vous avez les héparinoïdes, donc tels que le fondaparinux, danaparoïdes. Vous avez les antivitamines K, donc la sénocoumarole, la warfarine. Et puis les anticoagulants orodirects, le rivaroxaban, apixaban, le dabigatran. Et puis les antalgiques, donc palier 2 ou palier 3 en fonction de l'évaluation de la douleur. Puis les antiagrégants tels que l'aspirine, le clopidogrel. Donc vous avez ici un peu un schéma qui récapitule un peu les mécanismes d'action des anticoagulants. Vous avez ici les antivitamines K qui vont inhiber, en fait, diminuer les facteurs vitamino-K dépendants, le facteur 2, le facteur 7, oui, le facteur 9 et 10. Et puis vous avez en fait les AOD, donc rivaroxaban, apixaban, qui vont inhiber directement le facteur 10, et les héparines qui vont agir au niveau du facteur 2, accessoirement sur le facteur 10. Et puis vous avez les autres. En fait, c'est un autre groupe d'AOD, le dabigatran, qui va donc agir électivement sur le facteur 2. Donc, vous avez ici les antalgiques, donc palier 1 avec le paracétamol, les anti-inflammatoires. Le palier 2, donc vous avez les associations, le tramadol, les puits, les dérivés morphiniques un peu forts, les opioïdes au niveau donc pour le palier 3. Alors les autres moyens, ce sont les soins locaux, donc la protection, etc. On en a parlé au niveau de la CAT d'urgence. L'antibiothérapie à large spectre, à base d'amoxicillin, le plus souvent. Pardon. Et puis vous avez l'oxygénothérapie nasale si nécessaire, l'équilibration de l'état hémodynamique, perfusion, remplissage en cas d'état de choc, l'alcalinisation en cas d'acidose très sévère, hein, et la dialyse rénale. Et puis vous avez les autres traitements qu'on peut mettre en fonction du terrain et des autres facteurs de risque, tels que les statines, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, et puis un traitement, voilà, d'une cardiopathie sous-jacente, etc. Alors vous avez ici les éléments spécifiques, c'est donc la thrombectomie à la sonde de Fogarty, qui est de loin la technique de référence. Vous avez la thromboaspiration, en fait, qui consiste, pardon, à fragmenter le thrombus et à l'aspirer. Vous avez la thrombolyse in situ. On va essayer d'injecter des produits fibrinolytiques directement en contact du thrombus.
vous avez les pontages qui relèvent donc de la chirurgie, en utilisant soit des veines, la veine saphène, ou bien des prothèses telles que des Dacron ou PTFE. Et puis vous avez la réparation artérielle au cours des traumatismes. Vous avez l'aponevrectomie de décharge lorsqu'on a un syndrome des loges, l'amputation, on verra dans les indications, et puis le lavage péropératoire du membre par des solutés pour éviter justement le relargage. Alors vous avez ici en fait la sonde de Fogarty. Donc c'est une sonde avec donc un ballonnet. On dépasse en fait l'obstacle, on gonfle et puis on essaye de tirer progressivement jusqu'à extraire donc l'embolie. Le plus souvent, c'est les embolies. Puis vous avez ici le pontage, donc un pontage classique, donc fémoropopliité. On essaye de court-circuiter l'obstacle ici. Mais vous avez aussi d'autres pontages très complexes où on essaye de prendre donc du sang à partir des artères. Les artères du membre supérieur, donc de la partie supérieure du corps, lorsqu'on a en fait des thrombus ou bien des emboles au niveau de l'aorte carrément. Alors, donc les indications en fait vont dépendre de plusieurs paramètres. Hein. Donc, vous avez d'abord le degré de l'ischémie, la durée d'évolution de l'ischémie, le siège et puis l'état vasculaire des lits des artères d'aval et l'état général du patient. Et on se demande si on doit faire une artériographie justement pour évaluer donc le siège et la présence ou non de collatéral, etc. Mais en principe, donc retenez que un traitement anticoagulant est toujours indiqué et doit être instauré dès le diagnostic. Donc, le plus adapté, c'est donc l'heparine non fractionnée à la Poussière électrique. On commence par des bolus de 5 000 unités et puis on fait une perfusion continue de 105 unités kilo jour et la surveillance se fera par la TCA et l'héparinémie avec un cible de 3 pour la TCA, le TCA pardon. Et puis vous avez le fond d'Heparinux, donc qui est un héparinoïde qu'on peut utiliser en cas d'allergie à l'héparine, notamment au cours des thrombopénies induites par l'héparine. Et les antalgiques en fonction de l'évaluation de la douleur. Et maintenant, on se demande si l'embolie survient sur une artère qui est saine, d'autant plus proximale. Là, la technique donc la plus adaptée, c'est donc la désobstruction, donc en utilisant la sonde de Fogarty. On va donc ponctionner donc l'artère, par exemple fémorale, où on a donc fémorale classiquement, et puis on progresse jusqu'à atteindre l'obstacle, on dépasse, on gonfle et puis on essaye d'extraire donc l'embolie. Et puis par la suite, la perfusion reprend. Maintenant, en cas d'échec à l'embolectomie ou lorsque c'est donc une thrombose donc sur une artère pathologique avec un bon lit d'aval, bon, dans ce cas-là, on fait le pontage. Et puis une embolectomie qui est la méthode de choix pour les embolies du membre supérieur. Donc c'est vrai qu'on a parlé un peu moins du membre supérieur, mais c'est à peu près les mêmes signes, donc la même symptomatologie. Et au niveau du membre supérieur, c'est des territoires où vous avez rarement en fait une artériopathie, vous avez rarement des thrombus et souvent des emboles. Donc la méthode de choix étant l'embolectomie. Maintenant, si le lit d'aval, donc jambier, est de mauvaise qualité, ou alors si vous avez une ischémie qui est peu sévère, hein, vous pouvez faire une thrombolyse intra-artérielle. Donc, on essaye d'injecter des produits fibrinolytiques au contact d'un thrombus, ou bien proposer une thromboaspiration. Voilà. Dans tous les cas, on peut essayer. Si ça ne marche pas, on passe aux autres techniques. Donc, vraiment, les indications dépendent donc de plusieurs paramètres, ils sont donc toujours à évaluer au fur et à mesure de la prise en charge. Donc, mais n'empêche, on peut toujours commencer par donc une technique, et si ça ne marche pas, on passe par l'autre, ou bien poser l'indication d'emblée de la technique appropriée en fonction des éléments qui vont permettre donc de poser l'indication. Maintenant, lorsque l'ischémie est dépassée, on a un échec à la revascularisation, c'est donc l'amputation qui est envisagée. Et lorsque vous avez un œdème qui est majeur,
une revascularisation tardive ou bien une ou plusieurs aponevrectomies de décharge seront donc réalisées pour donc éviter l'aggravation et le syndrome de Loge. Alors donc voilà, c'était ce qui concernait donc la prise en charge thérapeutique. Maintenant, pour ce qui est de la prévention, c'est d'abord la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire, la prise en charge d'une cardiopathie donc, et les autres causes d'embolie, le traitement anticoagulant à long terme lorsqu'on a un trouble du rythme avec une fibrillation atriale, ou bien lorsqu'on a un thrombus intracardiaque, ou bien donc, la présence d'un contrat spontané, on peut se demander donc si on doit anticoaguler afin d'éviter justement la formation des thrombus et un traitement anti-agrégant plaquettaire à base d'aspirine ou bien du clopidogrel lorsqu'on a une cause thrombotique qui est persistante. Et puis les autres traitements, notamment les statines, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion en cas d'HTA, de dyslipidémie, ainsi de suite. Alors, les éléments de surveillance, évolution, pronostic. Donc, d'abord, vous avez ici l'examen pluri-quotidien des masses musculaires. On recherche le pouls, le flux artériel avec l'appareil échographique qui permet de mesurer donc l'IPS, la température, la diurèse, l'état de la cicatrice. Là, on avait fait la ponction ou en cas de chirurgie. On évalue la douleur, la coloration cutanée et puis l'état du membre, notamment la sensibilité, la motricité. Alors, à la biologie, on fait le bilan, donc NFS, plaquettes, lionneau sanguin, lionneau urinaire, on évalue la fonction rénale, les enzymes musculaires, le TP-TCA et puis l'héparinémie pour le traitement anticoagulant. Et puis on fait une échographie donc Doppler, l'angiographie de contrôle pour voir l'état de la vascularisation post-traitement et les collatérales. Alors les modalités évolutives, c'est soit favorable lorsqu'on fait un traitement rapide et approprié, mais ailleurs, donc ça peut se compliquer, donc localement, donc ça peut évoluer vers la nécrose, la surinfection. Comme on l'a dit au niveau de la physiopathologie, donc c'est l'évolution stéréotypée lorsque l'ischémie se prolonge. Mais également, il y a les complications générales. Donc, vous avez ici les désordres métaboliques, complications cardiaques telles que les troubles du rythme et les arrêts liés aux troubles au relargage des ions K+. Vous avez l'acidose métabolique. Lié donc à l'acidose lactique, lié voilà à l'acide lactique pardon, donc au lactate. Vous avez l'insuffisance rénale qui peut être liée à un état de choc, mais ou alors à une nécrose tubulaire liée à la myoglobine. Et puis vous avez les complications qui vont être liées à la chirurgie, telles que les dissections artérielles, les embolies à distance et les infections au niveau du site de ponction, ou bien au niveau des infections, au niveau du moignon d'amputation, etc. Alors le pronostic donc va dépendre, comme on l'a dit, de l'âge, du terrain, du délai, donc de la prise en charge, donc la rapidité avec laquelle l'ischémie est élevée, donc risque d'amputation, d'atteinte cardiaque, d'insuffisance rénale, syndrome de détresse respiratoire aiguë, si c'est une ischémie qui est prolongée, liées à la libération des radicaux libres et des substances, des éléments ioniques dans la circulation générale. Vous avez le risque de décompensation cardiaque, le diabète et les autres éléments. Et puis vous avez les récidives et un taux de mortalité qui est environ de 10%. Alors, donc vous avez ici, vous vous rappelez de la classification de Rutherford qu'on avait utilisée pour évaluer la gravité. Bon, vous avez ici le pronostic en fonction du niveau de sévérité. Donc, vous avez ici le stade 3, donc qui est irréversible. Vous voyez qu'ici, on a une perte tissulaire majeure qui conduit à de l'amputation, malheureusement, et à des dommages neurologiques qui sont définitifs et inévitables. Et donc, on va terminer donc par dire.
Donc, par conclusion, donc on va dire que l'ischémie aiguë des membres est une urgence médico-chirurgicale qui nécessite un diagnostic, une prise en charge précoce. Le traitement doit reposer avant tout sur une héparinothérapie efficace et une revascularisation rapide et une surveillance post-opératoire qui doit être donc rigoureuse afin de guetter la survenue de complications ou alors de voir si les techniques de revascularisation ont été bien menées. Donc, merci beaucoup de votre attention. Donc, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà, et on se retrouve très prochainement pour une autre exposition. Merci.